matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mardi 15 novembre 2022. Comment allez-vous? J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourris le plus. On terminera avec un message de ton âme. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé « Femme qui tient un cœur ». Alors, hier, c'était, c'était le cœur brisé. Et aujourd'hui, c'est « Femme qui tient un cœur ». Alors, ça peut être une femme qui est face à sa famille, donc à la famille, à l'amour et aux émotions. Et je l'ai pigé à l'endroit. Alors, on peut voir hein, sur la carte que cette dame hein, qui porte un papillon, gardez le papillon au-dessus du front. J'espère que vous le voyez bien. Elle a un papillon dans ses cheveux et elle tient vraiment un joli cœur dans ses mains. Eh bien, pour une femme, cette carte pourrait refléter votre propre état de paix et de réceptivité par rapport, à l'amour. Ou elle pourrait aussi indiquer que vos problèmes familiaux vont être résolus. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des problèmes dans votre famille. Eh bien, on voit la lumière surgir et ça va être derrière vous. Tout ça va se résoudre, n'est-ce pas? Soyez-en certains, ne vous découragez pas. Pour d'autres, vous êtes une femme intuitive qui comprend les émotions que la vie procure et vous en êtes consciente dans tout ce que vous faites. Je suis en train de penser à ce que je viens de dire que voilà, si vous rencontrez des problèmes dans votre famille, j'ai une personne qui vit pour le moment vraiment quelque chose qui est assez lourd. Et cela, ça fait déjà un petit moment qu'elle le vit. Et je l'ai eu par consultation. Et en fait, tout va s'éclaircir et j'en suis heureuse. Et là, je pige cette carte, si elle m'entend, eh bien, rassurez-vous, tout va bien se passer. La problématique que vous avez vécue va être derrière vous. Et je suis en toute pensée avec vous. Alors, pour d'autres, cette carte pourrait aussi indiquer la présence d'une amie. Ça peut être une enseignante ou une confidente hein, que vous avez dans votre cercle d'amis. Et elle vous aidera beaucoup. Elle vous aidera si vous lui parlez de la problématique que vous rencontrez aujourd'hui. Donc, ça peut être la problématique dans votre famille, dans l'amour hein, ou dans les émotions. Elle vous guidera, elle vous donnera de bons conseils. C'est une amie qui est très proche de vous et qui vous veut beaucoup, beaucoup de bien. Et c'est une personne d'humeur égale. Et elle est vraiment, vraiment bienveillante et qui est en phase avec vous et avec vos émotions. Donc, parlez-lui, dites-lui
ce qui ne va pas, ce qui vous tracasse, ce qui vous angoisse, parce qu'elle peut vraiment vous conseiller. C'est de bon aloi, comme dirait Maître Capello. Et vous pouvez vraiment avoir une totale confiance en cette amie. Alors, cette carte, elle pourrait aussi annoncer, eh bien, pour certains d'entre vous qui êtes seuls, un nouvel amour ou une nouvelle amitié dans votre vie. Pour celles et ceux qui sont célibataires, eh bien, cette carte, elle vient vous dire que vous avez fermé les portes à ce qui était votre vie ancienne. Vous avez fait ce deuil, vous avez fait ce travail en vous. Et maintenant, vous allez être récompensé. Il y a quelqu'un qui est sur votre route. Et ce quelqu'un, eh bien, il n'est pas loin dans le temps, puisque cette carte est sortie, il n'est pas loin. Donc, ouvrez les yeux autour de vous. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc voilà, bien écoutez, c'est une superbe belle carte. Et puis je vais continuer pour l'affirmation du jour. Je suis émotionnellement calme et paisible et j'attire dans ma vie des personnes saines et stables. Eh bien voilà, j'ai mon petit chien qui éternue. Elle a attrapé un petit rhume. Donc si vous entendez éternuer, c'est ma petite chienne qui est en train d'éternuer. Et on termine avec le message de ton âme, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, eh bien, j'ai infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi, avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Eh bien, vous verrez un peu plus clair hein, après cette infusion, n'est-ce pas? Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une toute belle journée. On se retrouve demain et d'ici là, prenez soin de vous. À demain.